jours, on a envie de dire merci. Merci à tous ces développeurs qui, gratuitement, sortent des applications compatibles Android et compatibles iOS. Aujourd'hui, on va parler de l'application Greta Stark. Greta, G-R-E-T-A. Une application gratuite qui va être accessible à tous et surtout qui sera accessible aux personnes en situation d'handicap. Vous êtes malvoyant, vous êtes aveugle, vous êtes malentendant, vous avez d'autres problèmes d'handicap et vous n'avez aucun problème d'handicap, vous voulez lire les intitulés avec différentes langues, eh bien Greta l'a fait pour vous. Qu'est-ce qu'il va falloir faire avec Greta? Il va falloir tout simplement créer un compte, télécharger l'application sur le Play Store et sur l'App Store. Elle vous est entièrement dédiée, les amis. Jetez-vous sur cette application entièrement gratuite. Greta est une application qui va vous donner la possibilité, aussi bien chez vous que au cinéma, dans toutes les salles de cinéma et partout dans le monde, vous allez pouvoir utiliser l'application Greta sur votre iPhone, sur votre Android, puisque cette application est aussi compatible VoiceOver Talkback. Cette application va vous faire de l'audio description, va vous faire de la télétranscription. Cette application est dédiée pour vous en tant qu'utilisateur en situation d'handicap. Bravo Greta Stark, puisque vous êtes les champions de l'application accessible pour les cinémas, pour les Blu-ray, pour tout type de support, que l'on ait à la maison ou au cinéma. Greta, 34 films. Greta est vraiment l'application qu'il vous faut. Il faudra donc créer un compte chez Greta. Une fois votre compte créé, vous allez recevoir par mail un petit lien qui va vous demander de certifier que c'est bien vous qui vous êtes abonné à Greta. Voici la confirmation comme quoi je me suis bien abonné à Greta gratuitement, je précise. N'hésitez pas, je vous mettrai donc les liens Android, je vous mettrai les liens iOS dans la description. Greta est vraiment une application. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Pour vous abonner, c'est ultra accessible via VoiceOver, via Talkback, sous Android. N'hésitez pas, vraiment, c'est une pépite. Enfin, de l'audio description à la maison comme au cinéma, et tout ça accessible à partir de votre iPhone ou de votre smartphone Android. Vous aurez donc le choix à tout un panel de films qui seront au cinéma ou qui seront petit à petit améliorés chez vous avec vos Blu-ray, avec peut-être des émissions. Vraiment, Greta a besoin de vous, a besoin de vos téléchargements et a besoin de vos avis pour améliorer son application, pour qu'il y ait encore plus de films adaptés en audio description, en sous-titrage et bien plus. Donc n'hésitez pas, donc dites-moi en commentaire si vous avez la connaissance de cette application Greta, G-R-E-T-A, une application complètement accessible. Je vous montre comment elle fonctionne. Je vous montre ici déjà, vous voyez, on a 5 onglets en bas. Une fois dans la salle, vous vous reposez et vous bénéficiez de l'audio description. Allez, je vous montre comment ça marche. C'est parti. Voilà, comme vous pouvez voir à droite sur iOS et à gauche sur Android, aucun souci, Greta est entièrement compatible et accessible. iPhone, bouton. Greta, votre app pour des moments magiques au cinéma passés ensemble. L'app Greta diffuse différentes versions supplémentaires au cinéma et à la maison. Les personnes de langue étrangère ou celles qui sont aveugles ou sourdes peuvent ainsi regarder des films ensemble dans la même salle et profiter du cinéma. L'app Greta propose actuellement les fonctions suivantes. Toutes les fonctions ne sont pas encore disponibles dans tous les pays. Regarde ce qui est proposé dans l'app. Doublage et sous-titres multilingue, version originale, version audio, version originale en anglais, doublage en espagnol, français, ukrainien et turc. Entre autres sous-titres, anglais, espagnol, français, ukrainien et turc entre autres. Version accessible, description audio pour les fans de films qui sont aveugles ou malvoyants, sous-titres SDH pour les fans de films qui sont sourds ou malentendants nouveaux, amplification sonore pour les cinéphiles malentendants ainsi que pour les porteurs d'appareils auditifs bientôt, vidéo en langue des signes. Film audio. L'association de l'audio description et de la bande sonore du film permet de l'apprécier avec le son original et de profiter des voix des acteurs, que ce soit en déplacement ou à la maison. L'app reconnaît automatiquement la bande sonore du film au cinéma et à la maison et elle active la version supplémentaire sélectionnée en fonction du film. La synchronisation ne dure que quelques secondes. Avec Greta, vous pouvez enfin découvrir ce qu'est le cinéma. Vous pouvez désormais regarder n'importe quel film, dans n'importe quel cinéma, à tout moment, seul, ou avec vos amis.
Nous mettons les films à disposition conformément au mandat délivré par les distributeurs. Voici comment cela fonctionne. Installez Grotta, inscrivez-vous avec un mot de passe sécurisé et téléchargez la version souhaitée à la maison Wi-Fi. Lorsque le film commence, il suffit d'appuyer sur Play et l'app reconnaît automatiquement la bande sonore du film. N'oubliez pas de vous munir de vos écouteurs intra-auriculaires appropriés préférés. Bien entendu, vous pouvez également interrompre Grotta à tout moment. Lorsque vous reprenez, la version sélectionnée se place toujours automatiquement au bon endroit du film. Cela paraît très simple? C'est le cas. Pour les versions multilingues, l'application vérifie si l'heure de la projection est correcte et si vous êtes vraiment au cinéma. Active le suivi de la localisation. Après un test réussi, un bouton de lecture apparaît et vous pouvez commencer à profiter du film. Avantage particulier de cette app. Puce compatible à partir d'iOS 14.0, puce vous pouvez vous rendre dans n'importe quel cinéma que vous avez choisi en toute autonomie et indépendance à tout moment, puce commencer tout de suite et essayer Greta pour bénéficier de moments de cinéma magique et partagé, puce peut être utilisé dans n'importe quel cinéma, pour n'importe quel film, langue nationale, puce utilisation facile, puce fonctionnement fiable et sans erreur au cinéma et à la maison, DVD, VOD, Blu-ray, puce une fonction d'air intégré permet à tout moment d'interrompre la version du film, puce bien entendu. Vous pouvez également synchroniser manuellement toutes les versions à tout moment et ajuster le volume des versions audio enregistrées et la taille de la police des sous-titres. Vous l'avez deviné, Greta est donc une application qui transforme les DVD, les Blu-ray directement, les cinémas complètement accessibles aux différents handicaps qu'est la surdité, les malentendants, les personnes malvoyantes et les personnes aveugles. Donc n'hésitez pas, ça se passe aussi bien sur l'App Store que sur le Play Store et je peux vous dire que je l'ai testé, ça fonctionne vraiment à merveille. Une fois que vous avez créé votre compte, vous ouvrez l'application. Grotta, 34 films. Tout en bas, vous avez une série de 5 onglets. Sélectionnez. Filmothèque, onglet. Mes films, onglet. 2 sur Grotta, onglet. 3 sur 5. Mes amis, onglet. 4 sur 5. Paramètres, onglet. 5 sur 5. Et l'onglet complètement en bas à droite est l'onglet paramètres. Ici, on s'aperçoit que le premier choix. Sélectionnez. Paramètres. Version de film. Le premier choix, on a donc version de film. Choisissez votre version de film ici. Vous allez donc pouvoir choisir ici votre version de film, ce qui veut dire... Audio description, bouton activé. Audio description. Sous-titres, bouton désactivé. Langue des signes, bouton désactivé. Amplification sonore, bouton désactivé. Version doublée, bouton désactivé. Version sous-titrée, bouton désactivé. Film audio, bouton désactivé. Barre d'onglet, filmothèque, onglet. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment très accessible. Avec les deux lecteurs d'écran, aussi bien VoiceOver que Talkback. Quand vous choisissez votre version de film, ici, moi, j'ai choisi Audio Description. Filmothèque, onglet, 34 films. J'ai ici 34 films qui seraient éventuellement accessibles. Donc, une fois la localisation activée, vous arrivez dans votre cinéma, vous rentrez dans la salle, vous lancez Greta avec le film que vous avez choisi. Un petit truc en plus, comédie de Artu, enregistrer, lecture, bouton. Un petit truc en plus, comédie de... Alors par exemple ici, un petit truc en plus, c'est d'ailleurs une comédie sur les personnes en situation de handicap. Je vous le conseille. Affiche du film, un petit truc en plus, image, un fond blanc sans rien dessus. Vous pouvez voir, on a donc l'affiche du film. Pour échapper à la police, un fils, Artu, et son père, Clovis Cornillac, en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé, le début des emmerdes est une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. Lien vers la bande-annonce. Niveau dans tête 2. On a donc le lien vers la bande-annonce. HTTP, barre oblique, lien vers les sites web. Niveau dans tête, HTTP 2. Barre oblique, barre oblique. Voilà, donc on a le lien vers les sites web. Lecture, bouton. Et le bouton complètement en haut à droite qui est le bouton lecture. Grotali, la version accessible d'up. Alors quand vous lancez le film, vous avez ici comme un... battement de cœur, et bien tout simplement c'est la mise en attente pour que lorsque votre iPhone ou votre smartphone sous Android, dès que le film va commencer, l'application Greta se sert de votre micro. Dès que la bande du film commence, l'application Greta va tout de suite lancer donc la bande son d'audio description au commencement du film. Vous avez un gros bouton ici, touche pause. Touche pause, et comme vous pouvez voir, tout est carrément accessible. Je vous montre par exemple, il y a un test que vous pouvez faire si vous voulez le tester chez vous. Une fois que vous avez choisi vos films, sélectionnez Filmothèque, onglet 1 sur. Donc il y a les Filmothèques, il y a l'onglet Mes films. Mes films, onglet. Lorsque vous allez dans l'onglet Mes films, ces onglets-là, ces films-là vont rester pendant à peu près 7 jours. Une fois les 7 jours passés,
ils vont se supprimer automatiquement. Il y a donc une bande-annonce test ici. Test, Greta Stark VF, action de Greta Stark. C'est donc un fichier test si vous voulez tester comment cela fonctionne. Testez les applications Greta Stark facilement chez vous. Avec notre bande-annonce, en allemand avec sous-titrage en français, que vous trouverez sur notre site internet, vous pouvez facilement tester la fonctionnalité des applications chez vous. Mode d'emploi. 1. Installer les applications à partir d'iTunes / Google Play. 2. Télécharger le dossier test Greta Stark. 3. Lire la bande-annonce. http://youtube.com/. Voilà, donc vous avez ce lien, vous lancez ce lien au niveau de la bande-annonce, et vous allez voir que dès que vous faites lecture, dès qu'il entend le lien, il vous certifiera que le test a bien eu lieu et que le test est positif. Je vous montre ça tout de suite. Alors ici, pour faire le test, je vais lancer la lecture sur mon iPhone. Écoutez ce qui se passe. De lecture, bouton. Greta, Greta lit la version accessible. Donc on a le petit battement qui se fait. Et regardez, je lance le film directement sur mon écran. Kennen Sie den? Gehen ein Blinder und ein Gehörloser ins Kino. Schon Greta fonctionne dans chaque cinéma, pas le cinéma en plein air. Audio description émise à vor allem, wenn immer nur der gleiche Film läuft. Nous vous souhaitons une bonne séance. Und das... Chère utilisatrice, cher utilisateur Greta, félicitations, le test a réussi. L'application Greta fonctionne offline dans chaque cinéma, salle ou cinéma en plein air. L'audio description est mise à disposition au nom du distributeur. Nous vous souhaitons une bonne séance. Par ailleurs, n'hésitez pas à nous adresser vos commentaires, suggestions d'amélioration et aussi vos compliments. Simplement à info@grotamstark.com. Merci. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est très simple d'utilisation. Ça vous donnera accès à l'intégralité des cinémas. Accessible iOS, Android, vraiment, je vous le conseille. N'hésitez pas à télécharger cette application. Donc, encourageons les développeurs, encourageons les gens qui font des choses pour nous. C'est vraiment génial et ça permettra vraiment d'avoir de l'accessibilité pour tous sur les cinémas, chez vous, lorsque vous allez regarder un DVD, un Blu-ray. Testez l'application et à bientôt. Pour une prochaine, merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech et à très vite pour de prochaines astuces. Salut à tous.